Bonjour YouTube, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon aventure en solo sur Styx. Comme vous avez pu le voir, j'ai passé le niveau 10 il y a quelques minutes. C'était pas prévu de le faire comme ça. Écoutez, j'ai pas eu trop le choix, hein, comme vous avez pu le voir. Hop là. L'ours a attaqué ma maison, il fallait bien que je me défende. Je m'étais mis juste avant le niveau 10 pour qu'on puisse le passer ensemble. Et du coup, voilà. Bon, il n'y a qu'un décalage de quelques minutes, mais c'est pas trop grave. J'ai pas débloqué les points de talent. J'ai pas débloqué encore l'arbre de technologie. Vous pouvez constater que j'ai un petit peu fermé. Du coup, un peu de pierre, un peu de bois. On voit qu'il n'y a plus beaucoup d'arbres sur ma petite péninsule. Comme vous avez pu le constater, j'ai chassé aussi un petit peu, donc les ours me font un peu moins peur, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, les crocodiles c'est toujours autant un enfer, hein. On va pas se mentir. Ça reste très très compliqué, j'espère pouvoir débloquer des flèches qui vont transpercer leur armure de cuir, leur peau très très épaisse, je pense que c'est ça qui m'empêche de leur faire beaucoup de dégâts. Donc, après un épisode 1 consacré à la découverte du jeu, à la présentation de la mort et de ses conséquences, du coup, on va faire un épisode 2 un peu plus consacré au craft, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, et ça reste quand même le cœur du jeu. Donc, le palier 2 m'est débloqué avec le niveau 10, donc j'ai accès aux bandes artisanat. Je vais avoir besoin du fourneau pour faire cuire les lingots, l'enclume pour fabriquer du coup les outils en fer. Voilà, est-ce que j'ai accès à un arc un peu plus mieux? Oui, arc long, ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'avais besoin? Un dissolveur d'oxyde, poche oxygène, le réservoir de pluie, je vais m'en passer pour le moment. Bande d'épeçage. Ça, c'est une bonne idée. Il me reste 4 points. Ça va très très vite. J'ai bien fait d'économiser. Bande d'herboristerie. Ça, oui, ça peut être une bonne idée avec l'antibiotique. J'ai besoin de ça avant. Mortier, époxy. Ah, il y a le banc de textile. Ah, ça, ce sera niveau 15. Ça, c'est l'armure que je veux en cuir. Donc, ça attendra le niveau 15. Et après, les constructions en pierre niveau 15 aussi. Ok, donc il y aura plein de choses niveau 15. Je vais me débloquer le tonique antibiotique et vous allez vite comprendre pourquoi. Enfin vite, je ne sais pas, mais faudra que je vous montre la grotte que j'ai découvert l'autre jour, là qui était à 40 mètres de mon vaisseau. Et vous allez voir que elle est très 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 intéressante. En mode solo, on va reprendre alors de la vie en plus. On va prendre de la génération d'endurance pour la régénérer plus vite. Et là, au niveau des talents, on va se débloquer la transformation du cuir. J'aimerais bien aller chercher ça quand même. On va prendre ça. Et ça, ok. Eh bien, on est bien. Arbre technologique, moi, c'est quoi, rien. Et les talents, c'est bon, c'est géré. Il fait nuit, c'est pas grave, on va dormir. Voilà qui est fait. Il est 7h du matin, bien le bonjour. Je m'étais débloqué également une torche. Ouais, une torche comme ça. Alors, je suis allé récupérer également dans la mine tout ce que j'avais miné. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, on va se faire surtout le banc d'artisanat. Donc, il me faut de la fibre, du bois, de la pierre,
J'ai tout ça. La fibre, ça va être là. Des bâtons, du bois, je vais peut-être un petit peu ici, du cuir. On va prendre une pile de bois. Tac. Et normalement, il manque de la pierre. Est-ce que j'en ai pas qui traîne par là? J'ai fait plein de coffres hein, pour pouvoir ranger plein de choses. Voilà, pierre, on est bon. Allez. Bande artisanat, c'est parti. À partir de là, on va pouvoir crafter plein de choses intéressantes. Je vais me refaire ça d'ailleurs. Pour me soigner en cas d'urgence. Allez. On va mettre ça ici. Ok. Et voilà, et là-dedans, on va pouvoir faire déjà le dissolveur d'oxyde. Ça permet de générer de l'oxygène et de les mettre là-dedans, dans des poches à oxygène que je vais pouvoir garder sur moi. Je vais pouvoir me faire l'arc long. Il me faut des œufs. Alors, tout ce qui est animal, normalement, c'est de ce côté-là. Voilà. On va en faire. Ah, je vais manquer de cuir aussi. Alors normalement, j'ai tellement farmé que je ne devrais pas me manquer grand chose pour les premiers crafts. Tac, tac, ça, on va se le mettre là. Voilà. Donc, meilleur arc qui fait plus de dégâts également. Est-ce que je peux dégager ça? Hop, et mettre celui-là à la place. Ça passe, ça passe. Alors, comment ça marche? On met de l'oxyde ici, on met ça ici, et là, il faut mettre du soufre. Tac. Et du soufre. Voilà. Et du coup, ça consomme l'oxyde et ça remplit les poches à oxygène qui sont là. J'ai pas beaucoup d'oxyde. Est-ce que j'en ai là par là qui traîne? Non. Ah, 5 ici. Et c'est surtout beaucoup plus économique aussi en termes de consommation d'oxyde. Vous voyez, avec mes talents également, je me suis débloqué les barres de vie des animaux. Donc je vois combien ils ont en vie. Et alors, il y a également un autre talent qui permet de voir, on va dire, de les voir beaucoup mieux à travers la végétation, etc. Ça, ça se débloquera plus tard. Voilà, on va réparer notre tournos. Alors, à chaque fois qu'on améliore des outils, on améliore également le rendement et leur efficacité. C'est-à-dire que le tournos, je me permets de récupérer 150% des matériaux sur les carcasses, alors que le couteau en pierre, c'était seulement 100%. Et avec le couteau en fer, ce sera 200, et puis etc. etc. Donc c'est pas que pour crafter plus facilement et plus rapidement, c'est aussi pour que ce soit beaucoup plus efficace. Alors, ça on pourra le ranger là. Mettre un peu mon coffre à bordel. J'avais dit quoi? De l'oxyde. De l'oxyde, de l'oxyde. On va refaire un peu le plein. Allez, voilà qui est fait. Retour à la base, on va remplir la machine. Alors, il y a une poche de plaine. Du coup, on va la mettre dans l'inventaire. Et voilà. Et ça va remplir automatiquement ma jauge d'oxygène et vider petit à petit la poche qui est ici. Je crois que chaque quartier qui est découpé correspond à 100% d'O2. Donc, vous voyez, ça me permet de rester beaucoup plus longtemps à l'extérieur sans avoir à récupérer de l'oxyde. Et j'ai du coup une deuxième bonbonne de pète, une deuxième poche d'oxygène. Pour faire des échanges. Alors, je ne sais pas où je vais. Alors, on va se faire également le four. Donc là, il me faut de la pierre. Voilà.
Le four, on va se le faire. On va se faire également le banc de dépeçage. Il me faut un peu de bois. Hop. Ok. Et le banc d'herboriste. Il va me manquer quoi? Alors, four. Il a. Hop. Il va me manquer la fibre. Et bande herboriste. Allez, c'est parti. Ah si, il me faut le mortier. Mortier, il me faut de la silice. Il va me falloir de la pierre aussi. Ok. On va y mettre un peu de tout là. Tac, tac. Hop, on posait ça. Alors, on va se mettre le four par ici. On va se mettre le banc de dépeçage. On va se mettre par là, pas trop loin de la porte. Hein, parce qu'il faudra ramener les carcasses. Est-ce que ça passerait là? Voilà. Et le banc d'herboristerie, on va le mettre où? On va le mettre là, juste à côté. Voilà, super. Là-dedans, on va mettre du bois. Voilà, hop, et on va mettre du fer, du cuivre, un cuir pour faire des lingots. Hop. L'acier, ce sera pour plus tard. Hop, on active. Alors, les minerais vont se fondre dans l'ordre dans lequel ils sont ici dans l'inventaire. Donc, ça me va bien. D'abord, le fer. Et ensuite, le cuivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup, après, derrière l'enclume? Et pour l'enclume, il me faut 40 lingots de fer. Et vous allez voir, petit à petit, qu'au fur et à mesure que ça fond, et que ça crée un lingot, même si je suis pas là, entre guillemets, ça va me donner de l'XP. Ou pas. Alors le lingot, non, ça ne me donne pas d'XP. Donc ça va être juste quand on fabrique des objets. On fabrique des objets, que c'est un peu long, bah, au fur et à mesure que ça fabrique, ça nous donne de l'XP. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va laisser faire tout ça. Est-ce que j'ai assez de flèches? On est à peu près bon. Viande avariée, on va la mettre là. Alors, ça, je vais pas récupérer. L'or, non. Enfin, si je vais le ranger ailleurs. Tout ça, c'est mal rangé d'ailleurs. Tac. Alors, l'or, je pourrais le fondre que dans un four un peu plus élevé. Ici, on va se mettre du soufre, on va se mettre la viande avariée. Alors, il me faut de l'époxy, de la levure et du charbon de bois. Alors, charbon de bois, c'est pas compliqué. Il est fabriqué dans le feu de camp. Il me semblait que je l'avais stocké. Ouais. Et ça pour la levure. Tac, tac. Il me faut de l'époxy, donc ce sera fait dans le bol que j'ai fabriqué ici. Le pilon, qui est tout petit, que je pose généralement ici. Et pour faire de l'époxy, il faut du soufre et de la sève d'arbre. Et pour la sève d'arbre, il faut soit du bois, soit des bâtons. On va y aller hein, sur la sève d'arbre. Ça. Tac, tac. Donc là, vous voyez, je fabrique des objets. Et vous voyez, mon XP augmente. Alors, c'est 4 d'XP à chaque fois. Parce que c'est pas très très compliqué à fabriquer. Mais voilà, je peux aller me balader. Et je fais de l'XP pendant ce temps-là. C'est pour ça que le niveau 11 et les niveaux suivants vont être assez rapides à obtenir. Il me faut du soufre. Alors, je pensais que c'était là le soufre, mais non. Le soufre, on le met là-dedans. Voilà, je vais pouvoir faire de l'époxy. Faire 30. Voilà. On les met à la queue. Et puis voilà, ça va être pas mal. Ouais, je voulais. On va manger du coup. Ouais, j'ai encore du charbon. Mettre là-dedans. C'est utile que là-dedans pour le moment le charbon. J'ai pas trouvé d'autres utilités.
Le charbon sous cette forme-là. Hein. Ensuite, il y a le minerai de charbon qui, lui, est utile pour faire de l'acier. Et ce sera pour les niveaux suivants. Alors, époxy, c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir mettre ça là. Là, je peux en faire combien? 16. Oh, bon, c'est très bien. Alors ça, c'est un peu long à fabriquer, mais c'est un tonique antibiotique. Donc ça me soigne, vous voyez, dissipe les intoxications alimentaires, les infections, des blessures et la pneumonie. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. D'enlever la pneumonie qui est très 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 handicapant. Je pense que je vais la choper à un moment ou un autre, je vous montrerai les malus, mais c'est juste la folie. Et du coup, hop, on boit un petit peu de tonique et ça y est, complètement dissipé. Donc ça, je vais en avoir besoin pour aller me balader dans les grottes et dans la mine que j'ai trouvée pour aller récupérer d'autres minerais, pour aller récupérer je vais peut-être faire un peu plus de flèches pour aller récupérer tous les minerais dont je vais avoir besoin pour crafter. Et je vais en avoir besoin de beaucoup. Ça, on va mettre à cuire. On va ranger ça. Voilà. Et on va partir pour vous montrer du coup la grotte que j'avais trouvée qui était pas très loin de mon vaisseau d'arrivée. Alors c'est une grotte qui a un format que je ne connaissais pas pour avoir fait pas mal de parties. Donc c'était sur l'autre carte. Je ne sais plus ce nom. Donc je commençais à la connaître un peu et je connaissais, je savais reconnaître, on dirait il y avait deux ou trois formes de grottes. Et c'était à peu près tout. Et là je viens d'en découvrir une autre forme, donc qui est ce qui paraît en tout cas, je ne suis pas allé trop visiter, mais très très grande. Très grande et il y a pas mal de matériaux dont on va avoir besoin. Est-ce que je récupère un peu de soufre? Non, tant pis. Alors c'est par là. Je vais essayer de pas se faire une jambe. Voilà. Alors évidemment c'est plein de bébêtes. Ah, je devrais peut-être me faire une autre torche. J'aurais dû prendre le soufre en fait. Bon, tant pis, on va y aller comme ça. Donc j'ai préparé des coffres. J'ai ramassé un petit peu de fer, mais pas grand chose. Et vous voyez, c'est très très grand. Donc ici on a de l'aluminium que je ne peux pas miner pour le moment. Il me faut une pioche, je pense, en fer, voire en acier. Ok. Là on a du fer. Alors je vais prendre tout ça, mais c'est surtout pour récupérer mes flèches. On a du fer, on a du charbon, on a du cuivre, on a du fer. Je sais pas s'il y a des choses en hauteur. Peut-être des choses en hauteur. Hein. Faut fouiller vraiment toute la grotte du sol au plafond. Il est où? Ok. C'est pour ça que c'est bien aussi de se faire des rampes, fabriquer des rampes et des petits trucs pour pouvoir se balader dans la grotte un peu plus facilement. Alors je vais ressortir, prendre un peu l'air et je pense que finalement je vais chercher un peu de soufre pour pouvoir me faire des torches qui durent un peu plus longtemps. Parce que je sens qu'on va y passer un peu de temps dans cette mine. Alors, voilà, on décale. Et je me demande si je ne me ferai pas tout d'abord un peu de pioches en fer pour être plus efficace, surtout pour éviter de perdre trop de minerais, parce que je pense qu'elles sont plus rentables aussi, les pioches. On perd moins de... Si je prends 3 minerais au lieu de 2 à chaque coup de pioche, ça peut être très très rentable.
Est-ce que je peux me faire... Il me faut de la fibre, ok, ça je l'ai partout, c'est pas un problème. On va en faire deux, ouais, deux c'est bien. Celle-là on va la garder en cas d'urgence. On va faire une petite visite de la grotte et on repartira faire les outils en fer. Est-ce que j'ai de quoi faire? Non, il me faut de la fibre. Je crois que je mets là-dedans. Ouais. On va déposer ça. On n'a pas vraiment besoin. Je regarde. Alors, on va se faire 2-3 plans inclinés. Deux sols en bois, ça devrait suffire, je pense. Ok, allez, c'est parti pour la visite. Alors là on voit le plafond, on voit qu'il n'y a rien en termes de minerais. Et c'est à partir de là on voit plus grand chose. Il y a de l'or. On peut monter encore. Il est où? Je le vois pas. Bon, si je le vois pas, c'est qu'il me voit pas. Ok, à partir de ce principe là. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose au plafond. Mais j'ai rarement vu une grotte aussi. Aussi on est là, le besoin. Ok. Donc là il y a un petit tunnel. Ah mais si j'avais. Ouais si j'avais peut-être déjà vu des grottes comme ça en fait. Mais c'était plus rare sur l'autre carte. Ok. Donc là il y a plein de minerais aussi. Et je pense que ça fait le tour. Ok. Oh là. La torche. Ah, il y a un trou là-haut. Ok. Décidément. Ah, bah, il y a plein de trucs à récupérer. Hein. C'est vraiment Noël. Hein. Franchement. Oh. Ah, ouais. Du titane, du platine, du cuivre, du fer à gogo. Ouais. En remplissant tout ça, on va se faire au moins 2-3 niveaux. Pff, il y en a jusque-là. Un peu partout. Beaucoup de bestioles aussi, forcément. Ok, bon, on a fait le tour. Je vais peut-être attendre un peu de choper la pneumonie pour vous montrer ce que ça donne et vous montrer la violence du truc. Je sais pas si j'ai... On peut voir mon niveau... Alors, vous voyez la longueur de ma barre d'endurance. On va se faire ce filon de fer. Et ça va nous permettre de vérifier que le tonique marche bien. On a le bon médicament. C'est vraiment immense, hein. Je récupère ça. Je vais pas récupérer l'autre. Ah. Alors, je crois qu'on peut faire de l'anti-poison avec ces trucs-là, mais j'ai pas encore débloqué la recette du coup. Et ça, alors ça c'est intéressant aussi, c'est un gisement profond, donc il faut mettre une machine, une foreuse dessus qu'on peut alimenter soit avec du biocarburant, et après il existe des machines un peu plus évoluées qu'on peut alimenter à l'électricité,
et ben, ça fort tout seul. Chose que je ne sais pas s'il y a une limite de quantité à forer ou est-ce que c'est infini, je ne sais pas, aucune idée. Mais en tout cas, ça fort tout seul et ben, il n'y a plus qu'à passer de temps en temps pour venir récupérer les minerais. Et ça, c'est bien bien pratique. Là, c'est de l'or en plus. Ah non, c'est du soufre. C'est bien aussi. Alors d'habitude, la pneumonie, je l'évite comme la peste, c'est le cas de dire. Évidemment, quand je l'attends, elle n'arrive pas. Ok, bah écoutez, c'est pas bien grave. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave pour la pneumonie, elle arrivera quand elle arrivera. Je vais sortir, je vais récupérer déjà le peu de matériel que j'avais récupéré. Le soufre, on peut peut-être laisser là pour se refaire des torches. Un peu de fer. Ça, je vais le ramener à la maison aussi. Les écailles de verre, je vais les ramener, mais j'ai pas trouvé d'utilité encore à ça. C'est pas bien grave. Et puis on va laisser faire les outils en fer qui seront beaucoup plus efficaces, qui dureront beaucoup plus longtemps dans le temps et j'espère surtout qu'ils rapportent un plus de minerais que les pioches de base. Alors par contre l'inconvénient c'est que on ne peut les réparer qu'à l'enclume, que là où on les fabrique. On ne peut pas les réparer sur place. Mais bon, vu la durabilité déjà, c'est beaucoup moins handicapant. Allez, on est de retour à la maison. Voilà, ça a déjà bien cuit tout ça, c'est nickel. Ça va pas là, ça va là. On va mettre les trucs animaux ici, ça aussi avec. Sac de poison, je pense que ça irait bien là-dedans. Truc d'herboristerie. Le reste ça peut patienter. On va récupérer les 40 lingots pour pouvoir faire l'enclume. Il me manque un peu de bois. Est-ce que j'en ai qui traîne? Non. Hop, vous avez vu la vitesse à laquelle ça fond quand même. C'est hallucinant. Hop, allez, enclume, c'est parti. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, j'ai tout fait, je pense. Ok, allez, on se pose ça pas très loin du four. Voilà. Du coup, on va récupérer du fer. Et il nous faut du cuir, des clous en fer. Ça va pouvoir faire un peu. On va poser le fer là-dedans. Et on va récupérer le cuir nécessaire. Oui, j'en ai plus beaucoup du cuir. Ah, j'en ai peut-être là-dedans du coup. Alors ça, c'est l'autre inconvénient, c'est que du coup, on s'étale. Ah, bah du cuir, il y en a là-dedans, regardez. Hop là. Je suis demandé. Ah, et du coup, je peux l'amener... voilà. On va l'amener sur l'atelier de dépeçage. Et du coup, ça va me rapporter beaucoup plus... Beaucoup plus de cuir, beaucoup plus de fourrure. C'est vraiment beaucoup beaucoup plus rentable et surtout ça fait un conteneur supplémentaire dans lequel on peut stocker plein de choses. Et voilà, allez, est-ce que ça peut faire une comme ça, un couteau. Couteau de lancer sera pas la peine. Et couteau. Ok. Ah ben voilà, impeccable. Impeccable. On est à peu près opérationnel. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai une torche. La torche de secours. Bon, on va dire que j'ai deux torches. Donc la torche de secours, c'est déjà l'autre. J'ai un peu de bois. Bon, alors j'ai là. Un peu de bois, un peu de fibre. Des bâtons, de la fibre. Le cuir, on a dit qu'on rangeait là. La pierre aussi, ça pour la fabrication des toniques, on va le ranger là.
La citrouille, on peut la garder. On va la manger d'ailleurs. On va faire le plein de nourriture. Et voilà, on va faire une petite session de minage de la grande mine. Hein ? Allez, c'est parti. Alors, petite interruption du minage, puisque je viens d'attraper donc la pneumonie. Et vous voyez, c'est moins 50% de régénération de santé, moins 50% d'endurance et moins 10% d'expérience. Donc c'est un peu catastrophique. Donc on va voir ça. Et voilà, nous voilà guéris. Comme quoi, c'était une très bonne idée. Allez, on repart pour le minage. Bon, voilà qui est fait. Enfin, je vous cache pas que ça a été un peu long pour atteindre ce niveau 15. J'ai faim. Tiens, mangeons. Je dois avoir de quoi sur moi. Voilà. J'ai vidé entièrement la grande grotte qu'on a vue ensemble. Et je vous cache pas que j'ai fait la moitié de la grotte ensevelie qui est là, même si elle est beaucoup plus petite. Il y avait quelques filons qui m'ont permis d'atteindre un peu d'XP et j'ai terminé sur un peu de silice qui traînait là sur les bords. Il reste plein de choses hein, dans cette grotte là, donc on y retournera pour aller chercher des choses. J'ai fait un peu de chasse, j'ai fait un peu de pierre pour anticiper un peu justement le stock ici et pour anticiper la construction de la maison en pierre, parce que évidemment je vais avoir besoin de beaucoup de pierre. Et ben on va se débloquer du coup, c'est pas cette touche, c'est là. Tout ce dont j'ai besoin, alors j'ai fait les calculs, j'ai 16 points, normalement ça doit être suffisant. Donc on va faire le banc de maçonnerie, poutre en pierre, sol en pierre, mur en pierre, toit en pierre. Pour pouvoir poser le toit, on va faire des murs en angle, porte renforcée. Ouais, porte renforcée, pourquoi pas. J'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Allez, soyons fous. On va faire ça. L'escalier, non. Ça attendra. Au pire, je ferai un escalier intérieur. Ah oui, mais pour l'escalier en bois, ouais, je peux mettre une rampe. On peut mettre une rampe. Ça fait bien l'affaire aussi, donc ça patientera. Ensuite, chose très importante avant que j'oublie, je vais faire la radio courte portée. Ça va me permettre d'obtenir des missions de la part de mes employeurs, on va dire, de ceux qui circulent en orbite autour de cette planète. Et ça va me rapporter, alors je pense, de l'XP, mais surtout ça va m'apporter des objets. Donc ça peut être des minerais, ça peut être de la viande, ça peut être du cuir, des objets que je peux looter, mais ça peut être également des objets technologiques. Donc je me dis pourquoi pas, et puis surtout ça fera des petites missions à faire, donc ça peut être très intéressant et ça changera un petit peu. Je voulais également, pour pouvoir aller chasser de manière un peu plus sereine, le banc de textile avec voilà les 5 éléments d'armure en cuir qui sont là, qui ne sont pas très compliqués à faire, mais qui vont rapporter voilà, de la résistance physique, résistance au froid, résistance à la chaleur, résistance à l'exposition. Donc résistance à l'exposition, c'est par rapport aux tempêtes.
Et avec l'armure complète, j'ai plus 5% de régénération de santé et plus 5% de régénération de l'endurance. Donc ça c'est très sympa. Il y a d'autres armures, on verra plus tard. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Alors je pourrais faire des parcelles de culture, se lancer un peu dans la culture, pourquoi pas. Il me reste 2 points, donc il faut que je fasse un peu attention. J'ai déjà tout ça à fabriquer, ça va me prendre du temps. Et ensuite, le prochain palier, c'est niveau 20, donc ça me laissait le temps de récupérer des points pour anticiper le prochain palier. Alors, cuisinière à bois. Ça, c'est pour préserver les aliments. Ça peut être sympa. Après, il y a la glacière. Mais il faut l'alimenter en glace. Alors, je sais pas si c'est jouable. On est où? Ah, là, il y en a, mais je peux pas y aller. J'ai pas trop exploré. J'espère que les missions m'amèneront faire un petit peu d'exploration. Pour l'instant, c'est vrai que je me suis un peu limité à là où j'avais atterri. Ben, on fera ça plus tard. On va patienter. On va garder les 2 points. Et du coup, prochain épisode, ça va être la fabrication de l'armure. Ça va être la fabrication et l'amélioration de notre maison avec les éléments en pierre. Ce qui sera beaucoup plus solide, en particulier face aux tempêtes. Vous l'avez pas vu, mais j'ai subi 2-3 tempêtes d'éclairs, c'est assez violent et la maison en bois prend assez cher. Torche murale. On va prendre ça, torche. Ça c'est bien. Il y a brasier aussi. Non, torche c'est pas mal. Voilà, ça permettra d'éclairer un petit peu parce que vous voyez, là ça va, mais quand il fait nuit, on voit pas grand chose. Je vous montre rapidement avant de partir. Voilà, voilà tout ce que j'ai récupéré, tout ce que j'ai fondu, et tout n'est pas là. Il y a un peu de rab ici, il reste de la pierre. Ça, c'est de l'or. C'est du fer. De l'or, il reste du cuivre, et j'ai pris un peu de minerai de silice, histoire de prendre un peu d'avance sur la suite. Même si c'est pas tout à fait nécessaire, mais bon, ça fait de l'XP facile à prendre. J'ai un petit peu de réserve de soufre que je dois avoir ici. Je n'ai pas beaucoup. J'ai du charbon pour faire l'acier plus tard. Je me suis fait des réserves de sève d'arbre, donc c'est à partir de bois tout simplement. Et j'ai fait un peu d'époxy, des os broyés, donc à partir d'os. Pareil, c'est pour faire. Je crois qu'on peut faire de l'époxy avec. Voilà. Et je crois que ça ne sert qu'à ça. Donc voilà, on peut y aller. Ça fait l'XP facile. Je trouve que ça fait déjà un épisode bien rempli, plus court que le précédent, ce qui n'est pas une mince affaire, en particulier sur ce type de jeu, mais je vous ai épargné beaucoup de farm, qui n'est pas très intéressant, mais je voulais quand même dans le premier épisode que vous voyez un peu ce que ça pouvait donner. Là, pour vous donner une idée, j'ai farmé à peu près 2 heures, voilà, pour obtenir mon niveau 15 et en arriver là. Eh bien écoutez, on se laisse là pour cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao YouTube, des bisous, ciao ciao.